Bonjour à tous, c'est Byce61 et aujourd'hui on est sur Mirror's Edge, donc on se retrouve pour l'épisode 3. Donc la dernière fois qu'on s'est arrêté, on avait appris que Ropeburn avait un rendez-vous avec une personne mêlée au projet Icar, donc à l'affaire de la sœur de Face. Donc on devait s'y rendre, normalement. Et au moment où on commence à arriver vers les lieux, puisqu'on n'est pas encore sur le lieu de rendez-vous, on est à côté, on a vu un hélicoptère de police atterrir justement là où il y a le fameux lieu de rendez-vous. Donc bon, on trouve ça bizarre, on ne sait pas trop pourquoi il est là. Et on va apprendre ça dans les prochaines minutes, une fois le chargement terminé. Donc évidemment, il y aura la petite vidéo d'introduction à chaque chapitre, j'imagine. Un hélico se dirigeait vers le rendez-vous de Ropeburn. Tu penses que c'est Ropeburn? Pourtant, on dirait bien que c'est un hélicoptère de police. Qui d'autre pourrait bien s'offrir un hélico pareil dans cette ville? Pas grand monde. Et tu devrais y aller si tu veux les choper. Et te montre pas trop non plus, il y a les flics. Voilà, donc la fameuse vidéo qui rappelle un peu ce que j'ai dit. Donc c'est parti, donc malheureusement pour nous, les clôtures sont électrifiées. Donc nous on est obligé de passer de l'autre côté, ça commence mal. J'ai voulu aller vite mais là je me suis complètement chié dessus. Bon on l'a refait, on va essayer de faire ça bien cette fois. Bon allez, on fait une pause, on vise bien le tuyau rouge, voilà. Et on y va. Voilà. Vous voyez, à vouloir aller trop vite à faire le malin, ça paye pas donc je... Voilà, là on va voir l'interrupteur pour couper l'électricité. Tac, voilà. Et maintenant on peut passer par là. Donc ensuite on passe par là, donc on voit l'hélicoptère là. Donc il atterrit sur la plateforme spatiale. On doit aller en face. Voilà, et ensuite... Voilà, je dois arriver là. Je sais pas pourquoi je me suis arrêté là. Ah d'accord. Donc l'encadrement de la porte est reconnu comme un obstacle. Ok. Donc oui, c'est par là. Je suis sur le plan de l'endroit. Un vrai labyrinthe. Et c'est calme. Pas étonnant que Ropeburn l'ait choisi. Les gens s'y rendent en hélico, j'imagine qu'ils seront sur le toit. Trouve un moyen de monter. Voilà, donc on trouve le moyen de monter. Comme d'habitude, les bonnes vieilles... J'allais dire canalisation, c'est un peu la même chose. Les conduites d'aération qui nous sont précieuses, aussi bien pour nous évader que pour trouver des raccourcis. Tu t'en sors? Nous sommes en mesure de confirmer. Pour le meurtre de Robert Pope. J'en déduis que non. Voilà. Alors je sais pas de quoi il parle quand il dit tu entends ça. Moi non plus j'ai pas vraiment capté. Parce qu'on entend des voix à côté mais on n'entend pas trop, du coup je sais pas exactement si c'est lié à ça ou pas. Hop, voilà. Je voulais essayer de choper le tuyau pour amortir, mais bon, c'est pas bien grave. Donc là, on va devoir passer ici. Sauf que, comme vous voyez, il y a encore des jets d'air ultra bouillants ou d'eau. Donc on utilise la valve pour couper l'arrivée. Tac, voilà. Et on grimpe tranquillement. Donc là on va pas tarder à arriver sur le lieu de rendez-vous. Miller, merde! Sans déconner. Ouais, faut jamais faire confiance à un flic. Il est avec Ropeburn. Je parie qu'il est trempé dans ce projet Icar. Je monte voir ce que je peux trouver sur Pope et Kate. Voilà, donc ça explique le fameux hélicoptère de police, puisque Miller, donc le le policier à qui on faisait entre guillemets confiance, hein, parce que de toute façon Face ne fait jamais confiance à personne, mais disons qu'elle avait accordé un petit poil de sa confiance à ce policier qui est un ami apparemment soi-disant de Kate, mais là on apprend qu'il a l'air d'être mêlé à l'affaire, donc il a pas l'air d'être si gentil que ça. C'est lui qui t'envoie? Allez vous faire foutre! Personne m'engueule, moi! Alors oui, là ça ne rigole pas, c'est Ropeburn. Ouais, ça va aller. Et donc là, il faudra faire attention, il va falloir esquiver une attaque avec triangle. Parlez maintenant. Et vite, parce que vos mains ont l'air toutes moites. Vous avez piégé Kate Connors, hein? La petite fliquette? Ouais. Pourquoi une flic, hein? La politique, c'est pas mon truc. Qui a tué Pope? Vous? Non! J'ai engagé quelqu'un. Qui? Un professionnel. Je les rencontrerai demain à 2h. À l'Atrium du centre commercial. Tu les reconnaîtras. Et vos liens avec Miller? Eh, si tu veux vraiment savoir tout ça, remonte-moi et je te le dirai. Fais gaffe, Faith. Pas d'embrouille ou vous plongez. Ok. Ok. Ah ah! Putain, merde, on a tiré. Ropeburn est mort. Qu'est-ce que... Les flics vont bientôt s'amener, Faith. Tire-toi de là. Et voilà, comme par hasard, lui aussi se fait exécuter par un mystérieux tireur d'élite. Donc évidemment, ça va nous retomber dessus, hein, on n'est plus à ça près. Alors là, on se tape un petit chargement de niveau pas prévu. Donc c'est vrai que des fois aussi, quand le jeu n'a pas le temps de charger, bah, il nous coupe comme ça en pleine action. Bon, c'est pas hyper gênant à mon stade, parce que j'ai pas forcément un niveau extraordinaire, mais pour les speedrunners, ça doit être bien gênant. Donc là, on se dépêche, tac. Voilà. Voilà, donc l'ascenseur a descendu en vitesse. Donc là, on va devoir se barrer très rapidement parce que les autres, évidemment, ils sont partout, hein, comme d'habitude. On dirait que Jack Knight avait vu juste au sujet de Ropeburn. Je me demande qui est le professionnel qui l'a engagé. J'augmente ton signal, essaie de frayer un chemin. Ah merde, j'ai pas réussi. Je sais pas s'il y a moyen de choper direct au lieu de se taper la canalisation. Ouais, voilà, c'est quand même un petit peu plus rapide. Ah merde. Je vais y arriver. C'est pas simple. Ah, c'est pas ce que je voulais. Lâche. Tac. On va essayer de courir sur le mur cette fois. Mais... possible ça, il faut rester appuyé, je sais pas, l'autre fois j'ai réussi à le faire sans souci et là, il n'y a pas moyen. Ouais, je vais essayer ici. Ah voilà, là ça marche. Ah, mais c'est une blague là, non? Je sais pas. Et ici ça en est. Ah, évidemment, d'accord. Oui, il y a peut-être un moyen plus rapide parce que là ça va me saouler de marcher comme un débile sans que ça fasse quelque chose. On va essayer là. Non. Voilà, c'est mieux. Impeccable. Par contre là je suis bloqué entre les deux. Je vais leur faire bien aligné. Tac. Voilà, c'est bon. Vous voyez, c'est limite plus simple de faire ça, hein, parce que sinon... D'après le signal, les flics sont loin. Fais quand même attention. La station Riding Park a l'air fermée. Ils doivent faire des travaux. Ah bah vous allez voir que les flics sont pas si loin que ça très prochainement. On entend les sirènes déjà. Ah merde, les flics arrivent dans le métro. Continue, Face. Donc là, ça va être une course-poursuite encore. là malheureusement c'est scripté je pense, à part peut-être que les speedrunners je sais pas si ils arrivent, mais en tout cas même on a beau aller vite et ne jamais se louper, ici on n'a pas trop le choix, faut toujours attendre et appuyer pour rouvrir. Flic droit devant, ils veulent ta peau. Voilà, encore le fameux chargement de niveau. Ici on s'embête pas les combats, à les combattre, on sait qu'on peut les esquiver. Aïe aïe aïe, ça fait très mal. Donc, heureusement le métro va nous couvrir un peu. Voilà. Un petit peu à l'abri. Putain, je croyais que ça allait encore se casser la gueule et pas choper la barre là, parce que ça a loupé la première encore. Voilà. Donc on enchaîne. Là c'est sûr que la personne qui connaît pas du tout le jeu, elle poireaute un peu quand même. Faut pas exagérer hein. Parce que là on voit que je le connais, hein. Là je vois un petit peu là où je sais où aller quoi. Mais sinon oui il y a quand même pas mal de couloirs donc faut quand même connaître. Oh mais non, pas possible ça. Donc vous voyez c'est ça que je dis, des fois il y a une barre mais on passe au dessus et du coup ça nous sert d'obstacle et en fait on continue d'avancer sans la choper et c'est un peu chelou parce que du coup des fois bah ça peut aider comme ne pas aider quoi. Donc là on a ouvert la fameuse porte qui était fermée en bas. La porte rouge, vous voyez elle est ouverte. Maintenant on va devoir se frayer un chemin ici. Donc faut se dépêcher parce que comme vous voyez, il y a les métros qui passent, donc si on attend trop on meurt. Vache. Oh là là, j'ai subi un petit bug mais... je suis bien content de l'avoir parce que vous avez vu j'étais en chute libre mais en restant dans le même espace quoi. Et heureusement parce que sinon j'étais mort là. J'aurais dû me prendre directement le métro dans la gueule. Donc ouais je suis pas obligé de faire ça, je peux le faire direct ici. Tac. Normalement je voulais marcher sur le pilier mais encore une fois ça n'a pas voulu le faire. Alors ici de descendre. Ah oui, donc cet endroit là c'est pas que c'est dur mais c'est pas simple non plus quoi. On arrive souvent de... enfin on meurt pas mais si vous voulez chaque fois on tombe et on doit recommencer. Bah, comme là déjà j'ai été trop vite encore. Donc ça c'est un raccourci parce que sinon on peut passer là et monter l'échelle mais bon autant courir sur le mur et être directement en haut que se faire chier à monter l'échelle. Donc là ce qu'il faut faire en fait c'est arrêter les pales de tourner et comme ça on pourra passer dans les aérations. Encore une fois elle a pas voulu courir, je sais pas pourquoi pourtant je suis proche du mur. Ça ressemble à la chambre d'aération du métro, essayez de couper les ventilos. Il doit y avoir des tunnels de maintenance derrière. Ouais, je comprends pas pourquoi. Alors, vous voyez, là, elle court et puis il y a d'autres fois, elle veut pas. Je sais pas, je suis pas assez proche du mur, mais il y a des fois, c'est chiant ça. Parce que ça pénalise pas mal. Donc là, faut se dépêcher parce que c'est que 15 secondes. Donc là on attend le prochain, hein, parce que ça c'est pareil, j'arrêtais pas de mourir dans la dernière vidéo. C'est que ici, si on attend pas assez, bah, on saute avant, ou sinon on saute trop tard, hein, donc il faut faire attention. Et les éclairs que vous voyez sur la porte, en fait c'est les flics qui étaient en train de fondre, je pense, les serrures, ou je sais pas quoi, avec le chalumeau pour l'ouvrir. Mais tu passes pas dans le tunnel, saute sur un autre métro. J'ai dû me prendre un dégât, je sais pas comment. Faut faire attention parce qu'on avance très vite, hein, comme vous pouvez le voir. Il y a des choses à esquiver un petit peu comme Uncharted 2. j'ai oublié. Oh là, j'enchaîne. C'est quand même chaud parce que ça va super vite. Faut vraiment pas se louper. Voilà, c'est bon, on arrive au bout. Merde, les flics arrêtent les rames maintenant. Voilà. Donc là, on va devoir se dépêcher. Une autre rame arrive derrière toi, tu fais mieux de filer. Voilà, donc si on se dépêche pas, la rame qui arrive en face nous explose la gueule. Merde. Putain, mais c'est quoi ce bug? Oh là là, bon bah vous avez vu ce que ça donnait. Hein. J'ai pas compris là, j'ai défoncé la porte, je pouvais pas passer, à moins que ça m'a refait le bug de l'autre fois où j'étais bloqué dans le sol. Parce que ça c'était bien bizarre. Voilà, c'est bon. Ouh, c'était pas loin. Hein. Bravo. Et si t'as besoin d'autre chose, Céleste n'est pas très loin. Appelle-la. Voilà. Donc on a réussi à se barrer, mais ouais. À quoi tu penses? À un meurtre. Ah? Ouais. Pope. J'ai trouvé une piste pour demain au centre commercial New Eden. J'irai y faire un tour. Hé, hey, Face, pourquoi tu fais ça? C'est pas nos affaires, nous... Je sais pas, on reste à l'écart. Quand j'étais gamine, je me rendais pas compte de ce qu'était cette ville. Mes parents, oui. Enfin, ils savaient qu'elle valait la peine d'être protégée. Pope connaissait mes parents. Les manifestations, les pressions. Il nous emmenait, Kate et moi. Mais je comprenais pas vraiment l'intérêt à l'époque. C'était un jeu. Merck m'a dit pour ta mère. Elle est morte dans les émeutes du centre-ville. Une manif qui a mal tourné. C'est rude. Après ça, on s'est quasiment perdu de vue. Mon père ne se l'est jamais pardonné et j'ai quitté la maison peu après. Sans lui avoir vraiment pardonné non plus. Et t'as rencontré Merck? Il m'a surprise en train de le cambrioler. C'est vrai? Il m'a jamais dit ça. Il m'a prise sous son aile. Je voulais sortir de la rue, alors j'ai dit oui. C'était l'occasion rêvée pour moi. Ouais, mais aujourd'hui, Face, tu devrais arrêter de risquer ta vie comme ça. Ils ont piégé ma sœur, Céleste. Je peux pas rester sans rien faire. Je lui dois au moins ça. Je survivrai. Comme toujours. La survie, c'est un peu surfait. Tu devrais prendre le temps de vivre. Dis, tu viens avec moi demain? Ça m'aiderait bien. Non, Drake a du boulot pour moi. Tant pis pour le shopping. Face, je dois y aller. Vas-y. Je sens qu'on va pas tarder à nous tirer dessus. Ça ira. Face, fais gaffe. Le centre commercial est droit devant toi. Juste une chose, il paraît que Callaghan est en visite pour sa campagne électorale pas très loin d'ici. Du coup, le quartier est complètement bouclé. Voilà, c'est parti. Donc quand on regarde la cinématique là qui est passée et qu'on connaît la fin du jeu, ça fait un peu sourire. Et vous comprendrez pourquoi je dis ça à la fin. Enfin, même pas à la fin encore, c'est même pas jusqu'au bout, mais vous verrez au bout d'un moment, si vous vous rappelez de ce passage, pourquoi j'ai dit ça. Alors je sais pas si je vais réussir à choper, ce serait une mauvaise idée ça. Il vaut mieux que je prenne de l'élan, que je fasse pas de bêtises. J'ai lâché, je me suis trompé de gâchette encore, entre L2 et L1. Parce que L1 c'est pour sauter, choper quelque chose, et L2 c'est pour lâcher. C'est un peu ça le souci. Là, on va pas faire la boulette. Donc on a vu qu'on est arrivé... donc on doit aller au centre commercial New Eden, hein, c'est ça. où il avait rendez-vous normalement avec le soi-disant tireur d'élite, hein, donc le professionnel qui a tué Robert, Pope et Ropeburn au passage. Hein. Attendez, c'est pas là. Ah oui, c'est vrai, on doit faire le tour. Et entre deux, bah, comme par hasard, il y a le maire sortant, donc justement Callaghan, qui est en train de faire sa campagne électorale et il est sous la protection de la police. Donc évidemment, comme vous voyez, le quartier il est bouclé, il y a plein de flics. Donc ça va être un petit peu compliqué de se déplacer avec tous ces flics autour de nous. Rejoins vite cette passerelle avant qu'il te fasse la peau. Alors ils disent plafond bas, attention parce qu'on peut pas sauter quand on est au-dessus. Vous voyez les flics rigolent quand on attend un peu parce qu'il y a un métro, voilà. Suis la voie 4 jusqu'au prochain escalier. Il doit y avoir une ruelle par là. Tu pourras remonter sur les toits après. J'attends le métro. Enfin, quand il aura envie de venir. Non. Il n'est pas pressé. Qu'est-ce que tu fabriques, Faith? Laisse pas cet oiseau t'attraper. Je me dépêche. Voilà. La rue elle est juste là, tu vois? Vas-y. Alors, où est-ce qu'on est déjà? Enfin, ça va, c'est tout droit pour l'instant. Ça y est, on voit que les flics arrivent. Heureusement, encore une fois, un ascenseur vient nous aider. Et on peut faire une petite pause. Bon là, ça va, c'était pas trop éprouvant quand même. Donc là, je sais pas si vous avez vu la pub là, avant que ça change, il y avait la tête de chien avec le logo de Callaghan. Parce que, comme vous pensez bien, ils sont un petit peu liés, ces deux-là. Ouais, donc voilà, on les voit là. C'est pour la campagne électorale, évidemment. Donc c'est bon, alors où est-ce que je suis déjà? Alors cet endroit-là, il me dit rien, je me rappelle plus du tout. Alors je grimpe au hasard, hein. Ça va peut-être me dire quelque chose. Alors là... Ah c'est peut-être là-bas, ouais. Non. Oula, oh, hop 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 là. D'accord. J'ai pas trop compris là, je sais même plus où aller là, ça me dit rien. Il faut peut-être que je passe au-dessus du grillage, mais j'ai pas ce passage en tête en fait. D'accord, ok. Ça manquait d'éléments rouges. Donc là après on va où? Ah je me rappelle plus du tout de ce passage, c'est bizarre. Ça va sûrement me revenir après, mais là... Ah oui d'accord, je vois, c'est bon. Et puis après on doit sauter sur le truc d'aération. Tac, voilà. Alors ensuite... Les flics se positionnent sur les toits, ça risque d'être physique. Mais je sais pas où aller, hein. Je fais ça un peu au feeling. Heureusement qu'il y a quelques trucs rouges pour nous aider parce que là, je galère un petit peu. Comme on peut le voir, les flics sont de retour et moi je meurs. Mais je sais plus où aller, c'est abusé quoi, ça me dit plus rien cet endroit. Enfin, il y a certains passages qui me disent quelque chose, mais là... Pas avoir le temps, je vais sûrement me faire petit. Vache, juste. que j'avais pas chopé le câble. Ah là j'ai failli mourir, hein. C'est vraiment un coup de chance. C'est bien Face, le centre n'est plus très loin. Failli tomber. Fallait peut-être monter j'imagine, ouais. J'étais plus très sûr. Donc ouais, il y a quand même des passages comme ça, même s'il y a toujours le sens urbain pour indiquer les endroits rouges. Je vous avoue que là, je savais plus trop où aller. Donc on arrive bientôt au centre commercial, évidemment. Oh, mais chope hein. Quand ça veut pas choper, hein, c'est le drame. C'est bien, Faith. Le centre n'est plus très loin. Ah, je crois qu'elle allait choper la barre qui était en haut de... des portes de l'ascenseur pour se suspendre, mais non. Elle a pas eu envie. Donc vous allez voir que le centre commercial, il est quand même assez violent. Ça va être assez dur. Mais décidément, c'est quoi ce boulot? Ah, j'espère que je suis... Ouais, c'est bon, je suis au bon niveau, et heureusement, parce que là, j'hallucine. Une fois, ok, mais pas deux, quand même. Là, on voit qu'il y a déjà les flics partout. Voilà, donc le téléphone n'a pas duré. Ça a même pas sonné jusqu'au bout du message, donc je sais pas. C'est peut-être un... encore des marchandeurs, comme j'ai l'habitude d'avoir. Pour pas changer. Tac. Voilà. Donc pour l'instant, c'est calme et on en profite, parce que ça va pas durer. Pas loin du centre, Face. Seul ses flics et la voie libre. Ah merde, mais dommage, là j'avais fait un sans faux. Je me suis dit, pour une fois que j'arrive, c'est pour ça que je parlais pas, parce que cet endroit-là, je galère souvent en général. Et là, je me suis dit, pour une fois que j'y arrive, impeccable. Et puis là, faut que je me foire au moment où je dois choper dessus. Merde, mais... Oh. Ah, décidément. Hop, voilà. On se calme. Et là, on se remet à courir. Voilà. Faire en plusieurs étapes, hein, quand on n'est pas doué. C'est la seule manière d'avancer dans le jeu. Donc le fameux centre commercial qu'on va pas tarder à voir. Je pense que je couperai avant. Je sais pas si je l'ai dit du coup avec le coup de téléphone. Mais je préfère le redire au cas où. Si je l'ai pas dit, je l'ai mis, hein, je sais pas. Ils sont dispersés. Ils devraient pouvoir entrer sans se faire tirer dessus. Donc je pense que, ouais, je couperai vraiment avant le gros bordel au centre commercial, parce que ça va durer pas mal de temps. Et je pense plus sur une vidéo de 35-40 minutes, et là je sais que ça va durer plus longtemps. Ce sera peut-être plus court, je sais pas, hein, parce qu'on n'est pas encore à 30 là je crois. On arrive bientôt mais on n'y est pas encore. Donc on verra. C'est vraiment un passage qui est galère, et en plus si j'arrive pas la première fois... ça va durer très longtemps, et ces vidéos là sont assez lourdes à upload, parce qu'encore une fois, comme j'avais dit dans une vidéo précédente, c'est souvent quand les jeux ne sont pas sombres et tout, et que c'est des images assez colorées et claires, et ben la vidéo est plus lourde à la fin du rendu, souvent, et ça se vérifie encore une fois sur Mirror's Edge, parce que le premier épisode, il m'a pris... donc il faisait à peu près 3 gigas et m'a pris 15 heures d'upload. Alors que les autres vidéos standards, je pense à Resident Evil 6 quand c'était un peu plus sombre, et ben ça prenait je sais pas moi 10-12 heures quoi. À peu près. Donc c'est un petit peu bon, c'est quelques heures en plus, c'est sûr, c'est pas non plus énorme, mais déjà que 10 heures c'est pas mal, donc si on peut quand même garder quelques heures pour faire autre chose, ça serait sympa. C'est vrai que c'est très long. D'ailleurs c'est le plus long pour le moment, puisque le Wakfu de Resident Evil 0, la plupart du temps c'est des vidéos qui font 1,5 giga. Donc ça prend 5-6 heures à upload. Donc là ça fait assez plaisir, c'est assez rapide. Et en ce moment je suis en train de vous upload le premier épisode de Resident Evil 0. Enfin le premier épisode. Le premier épisode après 2 mois d'absence, donc le chapitre 15. Hein. Et donc j'ai tourné le 15 et le 16 à la chaîne ce matin. Et cet après-midi je fais un petit épisode de Mirror's Edge qui sera entre les 2 épisodes de Resident Evil 0. Comme ça j'ai déjà une petite semaine d'avance tranquillou. Puis ça me permettra de voir déjà ce que vous pensez un petit peu de Mirror's Edge d'abord dans les commentaires. Parce que là il y a déjà l'épisode 1 qui est sorti. Ce soir je mets le dans en ligne. Et comme ça pour avoir un petit peu vos retours. Et au cas où s'il y a des questions, si vous avez des questions, n'hésitez pas, comme toujours. Donc je regarde le temps, ouais, 31. La fugitive serait extrêmement dangereuse et échappe à la police depuis plusieurs jours maintenant. Cependant, le père Callaghan a... Alors, où j'en suis? Ah oui, d'accord. Ouais, donc on y arrive là, hein, je crois, ouais. Bon, je vais essayer un petit peu d'avancer, puis si je vois que je galère, j'arrêterai. Et on reprendra dans la vidéo suivante, on va faire comme ça. Ropeburn devait retrouver ses charmants collègues à l'Atrium, c'est ça? Bien, ça doit être juste devant toi. Donc comme vous avez vu, je profite du chargement du niveau pour vous le dire. Comme par hasard, il y a le fameux tueur professionnel qui est devant nous et qu'on poursuit. Sauf que comme par hasard, vous voyez qu'il y a plein de flics dans la zone. Et donc on peut très bien se dire, tiens, on a l'impression que les flics sont avec le tueur professionnel. Et ça va s'avérer, ouais, vous allez voir ça prochainement. Donc il se défoule sur l'ascenseur, hein, vous pouvez le voir. Donc ouais, du coup il reste pas ouvert. Désolé, Face, j'ai pas vu venir tout ça. Donc c'était un petit peu un piège du coup. Hein. Donc là je crois, ouais, on doit passer par là. Donc on doit se diriger vers les niveaux supérieurs, voilà, comme Merck nous conseille de faire. Parce qu'en bas évidemment c'est surpeuplé de policiers. Oh, comme par hasard il a pas réussi à prendre l'élan. Enfin, elle a pas réussi. Tendance oblique, c'est une femme, Face. Faut que t'atteignes le toit, Face. Attends, je vais reprendre de l'élan. Après, c'est vrai que c'est assez rare d'avoir des persos féminins dans les jeux vidéo. Hein. Je dirais pas qu'il y en a jamais, mais bon, c'est quand même peu courant par rapport aux héros masculins hein, quand on regarde. Hein. Bon, même si ces dernières années, on a un petit peu plus quand même. Par contre, mais du coup, ça doit être par là. Ouais. Je me suis un petit peu prolongé. Là. Il y a des zones de maintenance et d'autres structures au sommet du centre. On devrait trouver une issue. On se dépêche. Là, vous voyez, on nous a quand même grillé. On a beau se balader comme une araignée, il nous chope toujours. Voilà, donc il imagine que c'est Ropeburn qui nous a piégés. Nous, on ne sait pas spécialement plus. On pourrait très bien dire oui comme non, quoi, on sait pas trop. Donc je regarde le temps. Ouais, 34 minutes, allez, on s'arrête là. Ça fait déjà pas mal. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, puis on se dit à la prochaine pour l'épisode 4. Allez, salut! I have to go.